Allez, la suite. Nous avançons dans l'histoire. Ah, pas de fourmis. C'est vrai qu'on peut changer de visée. Bon, ça n'a pas été trop utile, mais... Attention, encore une grosse zone. Oui, il y a un gros mob. Il y a un gros mob. Ah oui! Ah Ah bah. bah, bah oui, papa Tentacool. Papa Ah Yamété ou bah. maman Yamété. Ah bah, c'est boss, hein. On a le choix entre un boss et un boss. Faire galvaniser, là, cool. C'est bien, ça commencera l'épisode bien. Bonjour. Bon, bruit de la porte quand on passe. Yamete! Alors, si ça, on est attaqué régulièrement avec ces trucs-là, ça va être chiant. Ouais. Il va peut-être vouloir discuter avant. Kala, miam miam. Non. Oh. Oula, gros dav zog zog avec Adam Yenian. C'est lui qu'on va devoir combattre. C'est lui qu'on va devoir combattre. Sur un petit passage comme ça, j'adore. Oh, attends, on peut péter les bras. Oui. Sauf que là, il est en train de me... Ah, il a pas fait trop mal. À mon avis, faut pas tous les péter, sinon il doit les régénérer, je pense. Ah, il vole les bras. Oui. Où derrière? Oh non, oh non. Oh, le Nenai. Ok, il a régénéré le... Ok, c'est bon, j'ai rien pris. Dans le côté! Oh non! Ça tue pas, ça va. Oui, mais moi ça m'a bumpé dans le vide. Ah! Il reste pas grand-chose, je vais essayer de le finir. Parce qu'en fait, il y a. Tu vois les espèces de marches sur les côtés? Mais ça m'a tué. Voilà. Mais en fait, les marches sur le côté, c'est pour Attends, le éviter chien de me faire reste, ça. non? Y'a un chien qui me Oui, reste, très yes! bien. En fait, c'est comme mon chien est encore là, il te raise une fois. Sur les marches, sur les marches, sur les marches. J'ai pas eu le temps. Alors, je pense qu'en fait, il faut sauter. Hein? Peut-être prendre les marches et sauter de l'autre côté pour esquiver le D'accord. laser. Bon, ça va, je pense qu'on va le passer cette fois-ci. Oui. Vu la misère qu'on lui a mis. Ouais, ça devrait aller. Hein. Mais par contre, c'est quand il vient raise le mannequin. C'est là où Oui. on peut lui faire le plus de mal. J'ai plus Donc ça, c'est facile. Hop, l'esquive et hop! À travers.
Ah, j'ai surchauffé. Alors, hop. Alors oui, on peut aller de l'autre côté. Je confirme. J'y suis allé. Et là, il faut la bouche. Je me fais agresser par toutes les petites bébêtes. Mais je vois pas comment je fais pour revenir. Ah si, par là, ok. Non. Ah merde, il est venu jusque là, l'autre. Malheureusement, ouais. Oh oh, laser. Comment on fait? Là, faut que le chien va 13. Ouais. Et là, faut sauter de l'autre côté, là. Oui, mais par où? Par là-bas. Faut le tuer. On peut le tuer, là. Putain, j'ai plus de balles. C'est bon, je suis pas mort. S'il te plaît. Derrière toi. C'est bon. Oui, mais c'est que je voulais le tuer avant. Et surtout ça. Ah mais le fait en fait que tu l'aies tué, ça m'a... Ça m'a t'as raison. Il faut à tout prix qu'on rapporte ça au gardien. Putain, on a eu plein de trucs. Ça rentrera pas. J'avais plus de mune... plus de mune rouge. Ça rentrera pas. Et c'était là le... Ah, il fallait jumper. Devant ici. Ouais. Et là-bas c'était au fond je suppose, si on jumpait à gauche. Ouais c'est ça. Oh, nouveau objet de 4 segments. Ah bah faudra retourner au labyrinthe. Ouais. Faire une nouvelle zone. La dernière peut-être. Ah, encore un point à dépenser. Mais bon, si elle, c'est, si elle est aussi, aussi longue que ça, la zone, elles sont aussi longues que ça, ça va. On est déjà à combien là d'heures de jeu? On est déjà à 17 heures de jeu quoi. Donc c'est déjà pas mal pour l'aventure principale. Et Go Service 13. Un petit peu ce qu'on a récupéré. Il faudra retourner au labyrinthe. Il y aura l'aventure à faire pour le poncer. Ah bah de toute façon, on fait l'aventure après, de toute manière. Oui, ça c'est clair. On va se faire des runs dans le mode aventure. J'ai hâte de refaire le village. Le tout premier, là, c'était vraiment sympa, l'ambiance. Ouais, ouais, mais c'est surtout qu'en priori, il nous manque des trucs. Hein. Oui, bah de toute façon, il nous manque plein de trucs, je pense. On a récupéré des trucs. Et j'ai eu un tout petit spoil. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Chut, non, bah il me dit pas. Non, non, c'est... Il y a d'accord. Des archétypes cachés. Bah oui. Déjà. Oh, une nouvelle arme. Appel du protecteur. Oh. Une arbalète. Donc ça doit être une secondaire. Arbalète noueuse. Tremblement, on a eu aussi. Lire d'âme. Crocodile qui fend le sol et génère des ondes de choc. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est celle que j'avais déjà achetée. Lire d'âme. Tire un crocodile qui s'attache à la cible. Ouais. Spirale. Alors. Allez, alors, rideau. Arbalète noueuse. Lorsque la puissance de mode est au maximum, le tir principal devient renforcé et met en évidence l'ennemi qui touche. Activer le mode envoie une épée du protecteur sur les ennemis frappés par un disque. Ouais, elle a pas beaucoup de mune. Ok, viens me voir. Viens. Viens me voir. Regarde, je vais tirer dans la tête du truc. Hein. Ça rebondit sur les autres mobs. Oh la vache. Et l'ulti, ok d'accord. Ah oui d'accord. C'est ça le truc, c'est que tu marques les mobs et l'ulti, bam. Tu leur décharges un truc sur la tronche. Mais bon je vais pas l'utiliser, je vais garder ma rata. Ma ratatatatatatata. Montrera les autres armes plus tard. Je me concentre sur les principales. Je pense que j'ai pas assez de galvaniser. On a toujours pas assez. Il m'en manque deux. Hein. Je bouge pas d'ici.
Il me manque que deux. Et puis là, ben, on va devoir faire le labyrinthe pour la nouvelle zone. Un poids d'ouest. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr, Paxul. On va continuer avec ça. Mais... Ah, il m'a donné de la poussière de relique, salaud. Non, deux fois qu'il me donne de la poussière de relique. Salaud. Oh, j'ai eu délai de récupération d'énergie ordinaire plus 4. À une prochaine rencontre. Récupération d'énergie, j'ai eu vitesse de frappe qu'on a eu tout à l'heure. Nouveau. Ok. Bon, je vais pas changer. Mais bien comme ça. Allez, c'est parti vers le labyrinthe. En route vers le labyrinthe, vers la peut-être dernière zone. Bah, je trouve dommage qu'on puisse pas booster les armures. Dans le fonctionnement, mais bon. 5 bah, au final, j'ai l'impression que la puissance des mobs augmente pas trop. Elle nous suit, en fait. Après, il faut regarder hein, à quelle puissance on est, parce que je pense que c'est la puissance qui joue. Tu vois, je pense qu'on est puissance 11. Déjà, je suis toujours pas passé niveau 10 en médecin, moi. Je suis à combien, là? Je suis à 9. Ouais, il manque pas grand-chose. Je suis... Je suis niveau de puissance 11 et on est dans une zone. Là, le labyrinthe est 8. Moi, je suis 9 et 6. D'ailleurs, le labyrinthe, il faut aller où ? Moi, je suis considéré puissance 12. Il faut aller où, là ? Il m'a dit d'aller là, mais. Il faut aller voir Papy Neneuil. Papy Neneuil, c'est par là. Parce que le truc me disait d'aller là, mais... Tiens, je suis habillé entièrement en radiant, alors que j'ai pas... Je suis pas radiant. Il me plaît. Bizarre. Oh! Beau travail. La confiance de Clémentine était bien placée. Par deux fois, la corruption a infecté le système. Le confinement était la réponse adéquate. Préserver l'irrégularité aux études ultérieures. Mais cela a dégénéré. Incontrôlé, elle s'est développée et a corrompu. Malgré tout, elle aurait pu être jugulée. Si le destructeur n'avait pas éliminé le protecteur de ce royaume, le labyrinthe a peine joué sa protection, et les ressources étaient presque inexistantes. Par le biais du destructeur, la corruption s'est propagée librement, douteur, vers d'innombrables royaumes. J'ai purgé le labyrinthe. J'ai oblitéré mon royaume après royaume. Afin de devenir invincible. Tous mes efforts ont été. Le système était déjà là. Il était. Trop tard. À présent, une solution s'est révélée. Non pas à moi, mais à une anomalie. Peut-être était-ce. Il ne sait que. Au cas où je serai moi-même corrompu. L'index. Et en quoi est-ce que ça nous aide exactement? Avec l'index, deux nouvelles probabilités émergent. Ah, et c'est bien, non? La première probabilité, c'est la victoire de la racine. Donc, mouais.
La corruption est partout. Mais elle est originaire d'une source unique, un royaume précis. Le labyrinthe abrite toutes les portes et des possibilités infinies. Mais quand la corruption s'est répandue, la porte vers son royaume s'est fermée. Même pour moi. Mais avec l'index, je peux saboter le défense. Là, il sera possible de forger la corruption. C'est ça. Dans sa totalité cette fois. Pour de bon. Bon, dernière zone, boss final. Eh ben... Go. On a 1h45 pour la finir. Non, on paiera. De toute façon, on passera sur le mode aventure, de toute façon. Ok, à mon avis, c'est juste le boss final. C'est quoi ça? La racine, le monde de la racine. Ouais, et tu sais lequel c'est? C'est le nôtre. C'est ça, c'est la Terre. Je suis sûr que c'est la Terre. Mais peut-être dans une version différente. Je vérifie s'il n'y a pas des trucs à loot. C'est Attends. Vrai que ça les marque sur la map. Ça... Ça voudrait dire que la racine a pris naissance sur la Terre. Ouais. Non. Tu veux y arriver peut-être. Ah, copain. Ouh, je vais lui mettre un 213 au... C'est quoi ces espèces de xénomorphes là? C'est moi ou ça repop? Regarde, on dirait un glitch. Ouais, on a tué le mob. Il y a un truc par là-bas. On peut passer. Oui, il y a des trucs qui arrivent par la droite. On a d'avoir un cristal aussi. Ça s'appelle un élite, ça. Oh, la vitesse de déplacement des machins. Oh, les dégâts. Quoi ce bruitage? Vous avez je sais pas, je crois que c'est mon perso qui s'est mis à couiner de surprise. On va prendre le point de passage. Oh, j'ai vu un truc là. Je me suis dit tiens, on peut peut-être ouvrir, mais non. Par là.
Le boss est là-bas. Ouais, non mais je regardais et en plus il y a un point jaune juste là. Bon, on n'est pas obligé. Aussi. Non mais je regarde. Non non, on n'est pas obligé d'y aller. Non non non. Allez. Oh merde, il y a plein de saloperies. Saloperie là comme il est sous sol. Il survivre à des vagues, c'est ça? Avancer, sinon ça arrive tout le temps. Oh, attention! Oh, à mon avis, il va faire un gros rayon, lui. Voter maniement. On peut mettre une rouge parce que on est bien dépensé. Je sens que ça va être un boss rush, et on va se taper des boss les uns derrière les autres. Par là. Ça a l'air. Oh, le bruit là. Ouais, les petites créatures au sol et tout. Hein. On va pouvoir récupérer des lunes. Ah, attends. Oui, bon, ça c'était pas grave, on aurait pu le récupérer après. Une récupération de lunes de. Je crois que j'ai vu un truc violet. Un peu de pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Une amulette peut-être. Oh attends. De quoi? La map, elle te dit rien là? Oh. Mon avis, elle ressemble à des maps qu'on a faites. Non, ça ressemble au. Service 13? C'est ça. Tiens, tiens. Ça ressemble. Qu'est-ce que c'est la lunette? Langue de pouvoir. Accorde une augmentation de tous les dégâts de 15%. Consommer une relique double le bonus pendant 15 secondes. Ouais, alors l'insigne de la matriarche, tu augmentes tes dégâts de 35. Ils ont prévu pour faire un corps un build corps à corps. Hein. Bah, en même temps, il y a un marketing. Oui.
On peut descendre ? Non, non, regarde la racine. La taille de l'arbre. Ah bah oui. Mais c'est par là, hein. Je crois que la racine a bien pris racine. Et idée de nous attaquer dans un couloir. Ah, il y a un truc là. Oh, il y a une échelle ici. Oh, il y a un truc violet. Oh. J'y vais. Vas-y, gauche, tout en bas. Braise de l'agonie. Vous gagnez 5% des dégâts de base au corps à corps que vous infligez sous forme de vol des yeux. Non, ben voilà, ils ont pris archétype corps à corps, mais tout à la fin. C'est un peu dommage. La zone, elle est dingue, hein, quand même. Ouf. Non, mais regarde-moi cet arbre. Ouais, non, puis ce hurlement permanent, cette espèce de cri, ce truc de grillon là qui arrête pas, c'est un peu gonflant, mais bon, ça met l'ambiance, quoi. Franchement, ça arrive. Il y a le TP de tout à l'heure qui est là. Ouais, mais il faut aller par là-bas, sur les racines. QV. Et j'espère qu'on va faire un DLC. Déjà, tu sais. Alors, oui, il y a des DLC prévus. Ah bah cool. Et de toute façon, on les a gratos vu qu'on a pris le match. Ah ouais? Quand on a la Deluxe, on les aura gratos, ok. Avec la grosse Deluxe, tu as tous les DLC qui vont suivre. D'accord. Bon, boss final? Ça m'inspire pas confiance. Avant du boss. Non, après, de l'autre côté, c'est une nouvelle zone. Là, à mon avis, c'est boss. Oh, mais on en a déjà battu des arbres comme ça. Alors, est-ce que pareil, il faut lui péter les jambes d'abord et après le... Eh ben, l'ego. Ah, il est plus petit, à mon avis. Oh, et il s'appelle Cancer. Ok, il fait des trucs pour t'empêcher de passer. Aïe. Les détruire. Oui, je sais. Tir, oui, là, on a mis son point faible dans le dos. Oui.
Ah, il y a la vague. Moi, j'étais en train de me heal. Ouais non. Ouais non 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 non. Ouh, je l'ai esquivé. Moi j'ai pris. Oh, j'ai pris cher là. Aïe. C'est bon, il est mort. Meurs. Étendu gangréné. Et un point de prêt. Ah, attends, je récupère un peu de mine rouge parce que. Sac là. Ok, point. Ah, c'était quoi maniement? Maniement, c'est plus 4 maniements de l'arme. Et non, je vais pas mettre dans. Non. Il faut vite que ce bruitage s'arrête. Oui, hurlement. Parce que moi, je l'ai pas en fait. Ah, t'as pas le. En permanent là, une espèce de cri? Bah non. Ah ouais, bah tu regarderas la rediff. Tu verras le bruit que j'ai en permanence dans les oreilles. Je peux te dire que c'est. Ça met de l'ambiance, mais alors. Alors, soit est-ce que c'était un bug? Aucune idée. Bon, ça, c'était que le premier boss. Magnifique. Allez, plus que 25. Terre de la racine, faut voir, attends. Et il y a déjà deux zones hein, qui sont apparues. On est au port corrompu, là. Donc à mon avis, il n'y aura pas qu'une zone. Il me faut des munitions. Et alors? Non, si tu mets de la saloperie au sol. Ok, ça met un espèce d'effet tête de mort, la zone. Ça va être l'effet corruption, tous les coups. Je sais pas. Oh, c'est quoi ce Sirened? Sans l'élite. Je crois qu'il ressuscite. Il y en a un autre.
À l'autre prix. Oh, il y a un autre truc à looter là-bas. Oh, recul fissuré niveau 2. Non, je suis fou dans le menu. Ouais, je vais le faire. Dans le doute, on tire dessus. Arrête de foutre de la saloperie partout. Oh merde. Il a l'air d'être une autre version celui-là. Ah bah ça, c'est comme le boss, mais en version élite. Elle sauve la régène du chien. Oh putain de sa mère. Il y en a deux, il est comme ça. Ouais, il y en a deux. J'ai du mal à lui faire des dégâts critiques, là. Mais c'est bon. Je sais pas ce que c'est, mais aïe. En plus, ça a des résistances. Oula, pas bien. On s'est tapé trois élites là. On avait déglingué un des pieds. Un des neneuils. Ça va, il a rien fait lui. Là, si t'as pas le son vieux, moi là tout le temps, là, le hurlement, comme si t'étais un fantôme. Non, moi j'ai plutôt un espèce de bruit de vent. Ouais, mais qui fait un hurlement comme si c'était un hurlement. Non, pas à ce point-là. Ben écoute, tu écouteras, tu me diras si c'est le même. Charger ma grosse arme parce que j'ai pris cher en munitions. Ouh, il y a du violet là-bas. Ramasse-le. Il y a un coffre aussi juste non, à côté. Je peux pas le récupérer comme ça. Dégâts critiques à distance. On va voir.
Et hop, rechargement. Et là, le problème, en fait, on peut pas sauter. Il faut trouver pour arriver par derrière. Parce que si tu fais pas, tu sautes pas, tu fais une roulade. Oui, bah oui. C'est qu'il doit avoir un truc pour y aller, c'est tout. Oh ben regarde, il y a une échelle. Non ? Ah non. Faut voir s'il attend, juste regarder. Oh, il y a une porte là. Ça doit être, à mon avis, une porte qui s'ouvre de côté. Ah, à mon avis, il doit avoir un chemin alternatif pour nous y amener. Putain, c'était quoi ça? Bon ben reboss. Oh, il y a un bleu là-haut. C'était la dernière. Heureusement qu'on a les chiens, parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Hein. Élite. Oh, attention l'élite. Il m'a touché de là. Aïe. Deuxième, sérieux? Lui, il a pris cher bien avant d'arriver. Mords-lui les fesses! Yes, voyageur! Là, on va enchaîner les traits là, pour le endgame. Vitesse de déplacement, pour le saut d'obstacle et d'échelle et dans l'eau. D'accord. J'ai vu le bleu là-bas, mais je fous le reste. À mon avis, c'est par là la suite. Allez, développe. Enfin, développe. Et hop. Oh, j'ai un truc là à ouvrir, attends. Un petit coffre. Je sais jamais. Attends, je suis prêt. Mais alors, quel site ça va être? Oh, il y a un jaune. Il y a le violet tout à l'heure, j'ai l'impression. À mon avis, on va le rejoindre. Là, c'était pas la porte de tout à l'heure. Voilà. Et ça nous ouvre le pachas pour le violet. Mais à mon avis, ça, non, on l'aura encore après. Le violet, il est là-bas.
Oui, passe par là, c'est par là. Ils veulent le protéger, leur violet. Non, parce que là, il est en bas. Oui, mais ça va peut-être nous faire descendre. Bon, je vais juste retourner voir un truc. Changement d'arme, je viens d'avoir un fragment de relique. Oh ! Tiens. Cycle. Pierre de cycle cinétique. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Tu l'as ? Ah non, mais c'est encore un autre. Piqûre du poids plus. Putain, le nombre qu'il y en a là. Ah, parce que tu pouvais passer par en bas, c'est ça ? Ouais, et là je passe encore par un truc à côté. Bon, là il y a un point de passage. En fait il y avait un espèce de petit chemin caché. Ouais. Et quand je suis passé dedans, bah, un violet. Bah, moi il y avait un petit violet juste derrière. Ouais, bah, au bout d'un moment il y aura sûrement un passage pour y aller. J'ai un passage pour aller sous l'escalier. Non mais ça j'ai déjà pris le truc violet qu'il y avait sous l'escalier. D'accord. Je n'arrive pas en fait à comprendre par où il est. T'inquiète. Oh, c'est du calme là d'un coup. Oh putain. Ah, t'es déjà passé ? Ah, boss. Ok. Oh, oh. Visez-moi ici. Je brille, regardez-moi. Non mais vas-y, mais va te faire. Ok, je m'attendais pas à ça. Ok. Je vais me prendre toutes les attaques, c'est ça ? Aïe. Ok, d'accord, il a une attaque de zone de psychopathe. Attention, il va en faire une deuxième. Aïe. Mais non, je vais foutre ma zone, quoi, bordel. Tellement de trucs au sol là. Ça lui attendait que la moitié des PV quoi. Là, j'ai plus de mine. Aïe. Merci.
What? C'est quoi ce truc? Mon chien te reste ou faut que je vienne? Non, c'est bon, mon chien me reste. C'est tombé pile poil. Aïe! Bah, je vais courir un peu pour Regen. Viens vers moi. Attends, je fais le tour de la map. Hein. Parce que c'est toi qui focus, hein. Ouais, ouais, t'inquiète, je cours. Prends le truc vert qui est au sol. Pour le moment je suis en train d'esquiver les frappes orbitales là. Frappes orbitales. Aïe, ah j'ai pris cher là. Ah, je suis KO. J'ai pas envoyé ton clef. Fais chier. Ah non, je peux pas, j'ai 50 secondes de CD encore dessus. Attention le truc à côté. Mais putain, le jeu qui veut pas raise. Allez, raise. Attention. Celui-là, ce sera le plus dur qu'on a eu. Pour le moment, j'irai. Enfin, quoi qu'on, il y a eu l'empereur là. C'est bien casse-couille. Aïe. Yes! On aura tout eu, hein. On aura tout dépensé, là. Cœur d'effroi. Oh! Un nouveau cœur. Je crois pas. Si? Non? Non, c'est un compo de craft. Ah, dommage. Eh ben, il nous aura bien cassé les points. J'ai plus de cœur. Il m'en reste un, parce qu'il s'est régénéré vers la fin. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est lance qui reste. Ouais, mais elle est indestructible. Elle est buggée. Ok, la suite c'est où? On est par là-bas. Ah, on a un point de prêt à dépenser encore. Bah oui, quand on l'a tué, on en a gagné un. Ah, changement de zone. Donc on n'aura pas eu l'anneau. On n'a pas trouvé le truc pour. Enfin l'anneau ou le... On ne sait pas quoi. Allez. Mais c'est pas grave, c'est la campagne. C'est vraiment un oui. On pourra sûrement le récupérer dans le mode normal de toute façon. Enfin, le mode aventure. C'est sûr. Ok. Je crois qu'on arrive devant quelque chose de gros. Oui, vu la taille de la porte. On retourne au service 13 avant. Oui. Pour un peu ce qu'il a donné. On a récupéré pas mal de choses.
Eh ben. Et on aura fait tout le jeu avec l'arme cube et l'arme d'épaule de base. Oui. Bah, je trouve que l'arme d'épaule de base, elle est déjà bien. Ah, je vais pas remonter mon arme cube. Plus 6. Ouais, bon, voilà. D'accord. Alors, on a deux modes. Un mode qui s'appelle défragmentation. Ok. Et l'autre qui s'appelle à la broche 2.0. Avec le cœur de l'effroi de l'autre. Envoie une lance. Ouais, ah oui, ok. C'est ça, c'est envoie la lance. Ou je veux l'essayer. Oui, bah ça, j'avais compris que tu voulais le prendre ça, que ouais, tu le testes. Ouais. Donc ça veut dire que les archétypes, tu les as que pendant le mode aventure. Tu l'as pas pendant l'histoire. Alors, si. C'est juste qu'on n'a pas forcément eu les bons... on n'a pas eu les trucs pendant les bons, d'accord. Les bons événements. Ok. Gun Cube niveau 6. Je peux regarder, est-ce que je peux pas booster arme mon arme d'épaule niveau 11. Et il faut quoi super Gun Gun. Non, je vais pas les garder, je vais pas monter les griffes niveau 10 plus. Oui, je vais lui faire forger, vas-y. Je vais lui faire forger, je te monte. Bon alors. Les galvanisés, je touche pas. T'as vu qu'il fait sombre? Ouais. Ben ça y est, tu l'as pas chargé? Si, c'est juste que là, je vide le chargeur, là. Alors, crac crac. Et là, ça fait... Et à mon avis, les lances, quand elles sortent du box, ça doit toucher les autres à côté, à mon avis. Oh, tu peux le faire plusieurs fois? Bah, en fait, t'as deux charges. D'accord. C'est aussi pour ça que je continue. Ok, marrant. Mon ami là-bas, qu'est-ce qu'il propose? Salut, Tass. Moi, je dépense les trucs chez lui, là. Je peux. Est-ce que le rouge, il veut encore? Parce qu'on en a eu de la poussière de relique, là. On m'a redonné de la poussière de relique. Ok. On va partir sur les bleus. Résistance aux afflictions ordinaires plus 2. Vitesse de réanimation fissurée plus 4. Et les poussières de relique. Foiré. Où les chemins mènent à Douel. Énergie fissurée. Version de l'arme. Oh, délai de récupération d'énergie ordinaire. Ok. Attendez, papa, je suis pas encore passé niveau 10. Il manque 4000 XP. On passera pas le niveau dans cette zone. Allez. Bon, ça fait combien de 3 boss là qu'on vient de se taper? Je crois, ouais. Bah, quand tu disais boss rush, c'était pas loin. Hein. Oui. Alors, un truc par contre qui serait très drôle, ouais, c'est que d'ici, en tournant la caméra, on voit l'arbre. Ah! Ce serait très drôle. Mais malheureusement, je n'ai pas la portée de visibilité suffisamment loin. Non, je crois que je l'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Mais. Bon, last boss. La coupe avant. Ah bah en même temps, la racine. Vous ne pouvez pas passer. Vous n'êtes pas assez fort. Quoi? Alors c'est comme ça qu'on va la jouer. Oh! Ça marchera pas. Anomalie, éloignez-vous.
réussi. On y est. C'est notre seule chance. Si nous arrêtons la racine ici, c'est fini. Pour de bon. Boss final alors. Je peux briser le bouclier. Mais ça me prendra toute mon énergie. Je serai vulnérable. Ok. Si on se lance là-dedans, on n'aura plus le choix. Soit on réussit, soit... Dis-le. Soit c'est la fin du monde. Anomalie, vos chances de réussite sont supérieures. En fait, j'essayais de vous rassurer. Ouais. Merci. Très réconfortant. Allez, à nous de jouer. Ok. C'est parti ? Oui, je suis prête. C'est parti ! Ah bah non. C'est bon, je m'en charge. Vous devez faire vite. Hé ! Nomade ! Botte-leur le cul de ma part. Et là, si tu échoues à battre le boss, tu perds ton personnage. Il était obligé de recommencer à nouveau. Ce serait horrible. Waouh, c'est quoi ce truc? Ben, on va vite savoir. Ah, il va falloir tourner autour. Le Sinistros. Attends, c'est moi ou c'est un dragon zombie de la racine? Ça a l'air d'être ça. Oh, ça va être chiant avec la petite arme. S'il est dans les airs. Ouch. Je sais pas pourquoi, c'est toi qui l'as visé direct. Hein. Aïe. Ouf. Ou à mon avis, il faut détruire les trucs autour. De quoi les trucs qui arrivent autour? Il y avait des bouboules qui restaient. Il est où? Aïe. Il est là. Aïe. Non. Oh merde. Merde, c'est quatre touches. Moi, c'était eux. Bon. Oui, mais moi c'est pas marqué, moi j'avais une nume, puis point d'interrogation. Ouch. Merci. Faut qu'elle serve. Hein. Il nous met de l'espèce de corruption. Aïe. On t'arrête de voler, de mettre des trucs de partout. Oh, putain, il y a un trou en plus. Il est là. Aïe. Non. J'étais dans ma zone, mais il y a un laser qui voulait toucher.
t'as un heal, je viens, j'ai plus rien. Viens, je t'ai heal de loin. Merci. Ouais, je vais me prendre cher, heureusement que j'étais en mode heal. Bon, je sens qu'on va pas le rester sur premier try, lui. Ah bah, vu tout ce qu'on a consommé... Ah, putain. Ah mais vas-y, prends ton temps pour te relever, je te dirai rien. Mais vas-y, fais pas d'esquive aussi. Non mais vas-y, esquive jamais, connasse. Putain, j'ai beau appuyer sur le truc de l'esquive, non. Non, non. Non, non, je prends comme un con. Non. Ah, tu me relèves si tu peux, oui, ton chien. Oui, j'arrive. Et je cours, je me raccroche à la vie. Attention. Que tu auras un temps. Putain, il est violent, le boss. Aïe. Non, il ne veut pas. Il n'a pas voulu. Il est assez violent, le boss. Hein. Le boss, il m'a dit non. Et le pire, c'est pas ça, c'est que t'as pas le temps de voir, en fait. C'est qu'il est tout le temps laser, il tourne tout le temps, il est hyper rapide. T'as pas le temps de le viser. Mais alors lui, il t'en met plein la gueule, hein. T'as tellement de trucs à regarder partout. Voilà, j'ai fait une esquive avant qu'il attaque, mon personnage n'a pas esquivé. Voilà, je prends la... Oh, le personnage esquive après. Bah oui, je suis déjà mort, hein. Presque. Putain, il bouge tellement, c'est chiant. Hey, pourquoi je me suis pris des boules de feu sur le côté? Pareil. J'étais à 15 km. Ah putain. Bon, je courais un peu. Ah bah non. Et même en courant, tu peux pas esquiver, il est plus de la plus de portée que toi. Je l'ai même pas vu arriver. Aïe. Non. Mais il est infernal, ce boss. Mais c'est putain, t'as même pas... Tu le vois pas. Tu le vois jamais, le boss, il est chiant. J'ai même pas le temps de bouger, je me suis déjà fait défoncer trois fois. Je suis remort. J'ai même pas le temps de bouger, c'est horrible. Putain, witch machin. T'es fait niquer. T'es fait blacklisté direct par... Merci. Par contre, là, j'ai 0 pierre. Ouais, mais je peux rien faire. À peine tu me repopes, il m'attaque. J'ai rien le temps de faire. Je peux même pas recharger mon arme. J'ai rien le temps de faire. C'est horrible. Je me fais pas m'attaque. Je peux pas recharger mon arme et recharge. Je vais essayer de te reste, mais c'est mal barré. Hein. Voilà. Et à chaque fois, je suis au sol, quoi. Tu peux bouger pour pas rester dans la zone. Non, je peux pas. Il va pas vouloir. Hein. Réanimateur. Tiens, je viens de l'avoir, le trait. Ah mais sérieux? Ouais, mais non, mais des fois, il te lâche pas les baskets, c'est impossible. Merde, je viens de reste. Viens par là, mais non, je peux... Il m'empêche de bouger. Je peux pas. Il m'attaque non-stop. Et à peine t'es relevé, je lance une esquive, c'est trop tard, je prends quand même. Non, putain, mais... Lui... Mon chien peut me raise? Oui. Oui, oui.
que là, normalement, moi, il faut pas me raise. Ah oui. Ah putain, mais ces attaques avec 50 ans de retard. J'ai mis la somme de soins au sol, là. Ben non, je prends quand même. Il attaque de loin. Non, tu mourras pas. Tu es où? Non, aïe. Ouvrir. Merci. Ah, là, c'est moi qui veux. Tiens, je recharge. Chier. J'ai mis le... la régène du chien. Mais moi, je suis full. C'est quoi cette attaque en attaque retardée, putain? Ah. Yes. Le mode qui est arrivé, bam. Oh. Phase 2. Oui, c'est quoi là? Bon bah phase 2. Oh bah tiens, ça ressemble à... Oh, c'est quoi cette zone? Oh, ouais. What? Bon, je mets la zone au sol. Je l'ai mise aussi, la mienne. Aïe. On va recharger. Oula. Ouah. Quoi? Il nous a fait quoi là le boss? Bon, il nous a fait bonjour, j'en ai rien à foutre, je régène. Ah, je switch de l'un à l'autre, d'accord. Je suis KO. Tu peux envoyer ton chien pour me raise? J'ai des cœurs. Putain, ouais. Il nous fait switcher d'une zone à l'autre quoi. Si ton chien peut venir me. Oui, normalement il va le faire. C'est bon, il est en train de le faire. T'es où? Je te vois plus. Je sais pas où tu es. Merci beaucoup. Merci. Non mais c'est horrible ce changement de zone permanent. Hein. Où faut péter les bubules. Vite. Données corrompues. Ah. Mais, il caresse pas le chien, petit. Putain, mais il a combien de milliards de points de vie? Le boss il a pas aimé. Ah oui, bouge pas, reste dans le cube. Ah. Ah, ce switch de zone, c'est horrible. Il me reste un cœur, je vais peut-être pouvoir t'aider, mais... Ah mais j'en ai marre, comment il s'acharne sur la gueule, là, c'est... Oula. Ah ben... Bah, c'était mon dernier cœur. Oh, je me suis passé.
On ne finirait jamais tout seul. Mais il est horrible ce boss. Bah, on va peut-être devoir faire comme dans le 1, devoir faire un peu d'aventure pour pouvoir le level up. Là. Oh, ce combat est illisible. Ah non, non, mais c'est clair. C'est clair. Je me suis fait bumper en dehors du décor, alors que c'est des zones fermées. Je viens de me faire éjecter du décor. Sérieux ? Alors que c'est une zone fermée. Vas-y, le foutage de gueule. Enfin, y a un truc qu'on pourrait faire, c'est virer notre anneau contre l'électricité. Déjà, pour mettre autre chose. Moi, c'est déjà fait depuis longtemps. Ah, moi, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Améliore toutes les résistances au malus, non. Toutes les recharges. Ben moi tiens, je vais remettre la pierre alchimique, comme ça ça fait un peu de vol de vie avec le malus qui est tout le temps au moins là un petit peu. Je vais virer le truc du sprint, ça sert à rien. Oui, parce que là on n'a pas le temps de sprint. Ouais. Dégâts élémentaires on n'en fait pas. Augmente la génération de puissance de mode de 10%. Mmh. On sait pas ce qu'il fait comme type de dégâts, si dégâts de feu ou autre. Oh lui, c'est dégâts élémentaires de... c'est affliction classique. Ah, quoi que, les coups directs ont 20% de chance d'être entièrement convertis en santé grise. Mmh. C'est ce que j'ai, je l'ai pris celui-là. Et je garde mon anneau en silicone pour la puissance de mode. Putain, il va être chaud à tuer, hein, parce que la deuxième phase, putain, elle a encore plus de points de vie que la première, quoi. Et ce switch de zone, c'est horrible. Déjà là, qui va nous casser les bonbons. Mais oui, c'est toi qui veux. J'appuie sur l'esquive. Non, non, mais ça m'arrive souvent, ça. J'esquive et ça marche pas, en fait. Mais putain, j'appuie sur la touche, bordel de merde. Merde, j'avais 13. Mais le jeu m'empêche de recharger mon arme. Il est tout le temps sur ma gueule, je ne peux pas recharger mon arme. Mais c'est pas possible, il m'empêche de recharger mon arme.
Le troisième, il est ultra décalé, le bruit. Il fait le bruit comme quoi il attaque, et en fait, ça attaque quasiment 20 minutes après, quoi. Sans exagérer. Il est... Non. Ah, t'es KO. On est là. Non, c'est bon, y'a mon chien qui me relève. Et merde. Mais esquive, putain, j'ai plus d'endurance en fait. Mais si, mais non, j'en ai plus. Non, vas-y, les boules de feu, quoi. Putain, elles m'ont défoncé. Oh. On y soigne-toi avant. Ah, mais putain. Non, non, mais laisse tomber. Il a des attaques qui, quand t'es au moment où tu te relèves, il te touche à ce moment-là. Et puis alors, des moments, il t'enchaîne le mob, mais tu peux rien faire, quoi. Tu te fais combo, et t'es là, tu fais bon, ben, je prends. Ah ben, je suis mort. Non, non, il est infernal, celui-là. Je pense pas, en prenant des niveaux, que ça va servir à grand-chose, hein. Parce que les trucs de points de vie, etc., on les a montés, donc... À moins de monde d'arriver à monter les armes pour avoir les trucs qui nous manquent, mais... Et puis c'est toi qui veux à chaque fois, en premier, hein. Ah, mais esquive, bordel de... Schnappon. Quoi ? N'utilise pas ton chien, n'utilise pas ton chien. Je te prends, il le fait automatiquement. D'accord. Je sais pas où il est. De quoi? Pour moi. Putain, au moment où je prends un cœur, quoi. Allez, quand tu veux, prends ton cœur. De te voir, mais je te vois pas. Là, c'est moi qui veux, donc c'est bon. Vas-y, esquive pas. Ah, ben bien sûr. Mais bien sûr. Mon chien qui me reste moi. Putain, mais tu vas. Oui, des fois, le ciblage pour ressusciter, il fait. Non. Non, je cible pas, comme ça, crève. Faudrait qu'ils améliorent ça, parce que c'est gonflant, en fait.
Mais de toute façon, là, c'est mort. Hein. Je pense qu'il faut être 3 hein, pour pouvoir le dégommer. Hein. Ça passe plus facilement. Parce que 2, dès qu'il y en a un qui est au sol, c'est fini. Hein. L'autre, il a du mal à le relever. Faut qu'on monte nos armes aussi. Ouais, mais normalement, le jeu devrait être équilibré pour qu'on puisse le passer avec les armes qu'on a là, quoi. Si encore l'esquive, elle marchait bien. Non. Et tu regardes là. Oui, je sais. J'y vais au bruit. Non, l'esquive qui a fait va te faire foutre. Vas-y! Mais va te faire foutre, l'esquive de merde! Putain! Sérieux, mais c'est pas possible, quoi! Bah bien sûr, j'ai pris aussi. Mais prends ton temps pour te relever, je te dirai rien. Bien sûr. Non mais je pense que la deuxième phase elle va être horrible. Aïe. Mais pourquoi j'ai pris... Pourquoi je me suis fait injecter? Il y avait rien. Si, il y avait la zone. Hein. Putain mais l'esquive c'est une option, il y a des moments. Merde, je suis en train de recharger, je vais me prendre les boules de feu. C'est bon, je les ai eues. Mais... Ah, j'ai pris de ma gueule. Et que tu reviennes pas. C'est pas grave. C'est bien, ça a régénéré un de mes cœurs au même moment où je me suis soigné là. Elle tombe, ça va. Oh. Tout pour le moment, il faisait sa zone. Bon, la partie chiante. Ah, t'es obligé de... D'accord, t'es obligé de prendre. Double prise dans la gueule. J'ai mis la zone au sol. Je suis en train de recharger. Mais vas-y, prends ton temps. Mais je peux pas recharger, putain! Le jeu m'empêche de recharger, quoi! L'esquive qui fait option. Esquive. J'ai rien, j'ai tout pris dans la gueule. Tu es où? Sur l'autre map. Hein. Ah, d'accord.
Putain. Merci. Attends, c'est bon, ton chien, toi. J'aimerais bien pouvoir arriver vers toi, mais pour te soigner. Je suis sur l'autre map là. Non, mais j'étais sur l'autre map, tu sais qu'on y est en même temps. Et t'étais à l'autre bout. T'as tremblé le sol, tu peux pas esquiver en fait. Ça veut dire que t'es pendant le mouvement déstabilisé, t'as beau essayer d'esquiver, ça sert à rien. Ouais, parce que j'ai matraqué la barre espace là. Ouais, non, mais. Laisse tomber, il y a des trucs, c'est débile. C'est complètement débile. En fait, faut y aller que des médecins pour que les cœurs puissent se régénérer et que tu soignes les autres en même temps. Quand tu te soignes. Ouais, mais t'as pas le niveau 10, donc. Ouais, j'ai le niveau 5. Ah mais... Allô, mais putain, j'étais en train d'appuyer pour faire appeler mon chien. Le jeu, il a fait non, va te faire enculer. Je te lancerai pas le chien, puis l'autre, il m'a tapé deux fois dessus, et c'est bon. Bah, vaut mieux qu'il me reste, c'est bien. Et bah là, c'est toi qui tombe. T'es où? Ouais, il me laissera pas approcher. J'ai fait une esquive, là. J'ai fait une esquive parce que je savais qu'il allait taper trois fois. La troisième est ma partie. Alors soit j'avais plus d'endurance ou j'ai pas fait gaffe. Pourtant je suis en armure léger, enfin je suis en armure semi, donc ça me prend que 25%. Et j'aurais dû, je peux faire 4 ou 5 esquives sans problème. Hein. Je crois qu'on va aller faire un peu de mode aventure et on essaiera de le terminer la prochaine fois. C'est ça. Que là. Parce que là, c'est n'importe quoi, hein. les attaques, les skiffs qui marquent une fois tous les 36 du mois. En plus, ça bouge trop dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Deux fois, je fais des esquives, deux fois, ça n'a pas marché. Ça y est, tu le lances? Ouais, bien. Mais putain, casse les couilles. Allez, il va m'empêcher de recharger. Bingo. Il m'a empêché de recharger. Je sais, mais c'est pas possible. Non, mais le jeu, il fait exprès. C'est pas possible. Il m'a empêché de recharger chaque fois, quoi. Mais tu vas réanimer, oui. Non, laisse tomber. Le jeu refuse que de te laisser cibler comme il faut. Et mais c'est dingue, hein. Je l'ai dit en plus, je vais recharger, il va m'attaquer pour m'empêcher de recharger. Ça a pas loupé. Bon, on va essayer de se faire du mode aventure, parce que là, ça me saoule. Alors, je sais pas comment on fait pour faire du mode aventure.
On va regarder. Ben, je dirais déjà service 13, comme d'habitude. Ouais. Et mode aventure, je dirais tout en bas. On va se faire la première de la, map. De la roue. Ça prend une demi-heure. On va essayer de choper. Mais de toute façon, il nous faudrait du fer galvanisé donc, pour augmenter les armes. Ben, on en aura progressivement. Oui. Bah déjà avec les boss qu'on a fait et tout. Non mais reste là si tu veux qu'on fasse. Ça sert à rien d'aller. Alors, paramètres du monde. Créer une nouvelle aventure. Donc Neroute c'est le début. Hein. Non. Attends, annuler. Retour. Non, l'Ossum, c'est le truc du départ. Ok. Donc, paramètres du monde, créer une nouvelle aventure. L'Ossum. Bien sûr, en mode cauchemar. Hein. Tant qu'à faire. Oh bah oui. Ok, retour. Mode aventure, l'Ossum. La cour du palais, tiens. On va voir comment ça se passe, comme ça. Qu'on ait des armes qui tapent plus fort, quoi. Parce que là, c'est abusé, hein. C'est n'importe quoi, hein, le truc. En plus, sérieusement, je suis en train de recharger, donc si j'esquive, ça annule la recharge. Ou si je prends un coup, ça annule la recharge. Donc, ça veut dire que j'arrive pas à recharger mon arme des fois parce qu'il m'attaque en permanence. Donc, je peux pas lui tirer dessus. C'est assez hallucinant, quoi. Ok. Donc on va voir ce qui se passe pendant le mode aventure. Alors je sais pas si c'est long ou pas les maps. Oh, ah, faut mettre un visage ici. Mmh. À mon avis, tu peux pas ouvrir tant que t'as pas le visage. Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix, c'est par là. La porte, ça doit être pour le quand on revient. Oh, on descend. Voilà, tu sais, pour ceux qui spam à chaque fois, tu sais, les trucs de code de promo, etc. J'ai mis que j'ai banni le mot promo code. J'ai pris cher, non ? T'as déjà un point de passage ? C'est-à-dire qu'il y a un boss là-bas en face ? On a une petite fontaine. Oh, bon, on va la prendre. Non, mais je crois pas qu'on puisse y accéder. On va voir. Non, je crois qu'on peut pas y accéder à la petite fontaine. Alors déjà, par ici, il y a quoi ? Ça, je suppose que c'est une porte fermée, ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je trouve que le jeu lag par rapport aux premières fois où je jouais. Il n'y avait pas ces lags là. Peut-être que je mette à jour les drivers, mais. Ok, à mon avis. Déjà, il y a une autre zone là-bas. De toute façon, les trucs, on les verrait. Marqué. Est-ce qu'on fait tout de suite la porte ? Parce qu'à mon avis, ça alors va être moi, oh, y a quête. Un truc rouge en face. Ouais. C'est un copain avant.
Ah, un fer galvanisé. Ok, le c'est le match. Ça doit forcément servir à quelque chose. On continue par là parce que ça va sûrement nous ramener à la suite. Est-ce qu'on va encore se taper le roi comme le boss? Pas forcément, mais en soi, il est pas. Oh, maintenant on sait comment le gérer, mais. On est peut-être un petit peu plus costaud que quand on y était allé. Est-ce que le jeu adapte la puissance? Ouais, regarde, palais 14. 15-14. Donc, à mon avis, il adapte. Il y a encore un fer galvanisé, c'est bien, continue le jeu. Mmh. Avec de la petite poussière de Relic. L'endroit arrive à la fontaine. Je pense. Il voulait pas qu'on y arrive. Oh, ça peut continuer à descendre. J'ai l'air d'avoir des gens en bas. Mmh. Oh bah double cube hein. Osef hein. Lui il aurait jamais dû arriver. Il s'est pris double cube. Là ils se sont pris double cube dans la tête. Ils ont pris les atterrisserais, c'est vrai que ça fait mal. Ah, il y a un coffre là. Oh, là il y a de nouveau un. Il y a un ascenseur juste à côté. Il y a encore un fer galvanisé. Toujours plus, c'est ce qu'on veut. Toi, fallait pas avancer. Non, hop. Oh. Oh. Oh mais oui, on l'avait rencontré lui déjà. Bon, je bouge pas des trucs. Oh, c'est ça de cadavre. Mais tu sais que c'est lui le point d'exclamation? Ouais, ouais. Faut lui tirer dessus quand même. Il faut le regarder faire ses âneries. Non, non, il est vert. Hein. Ah ouais. Il donne quelque chose. Faut prendre la baguette. Plume magique. Oh, fallait attendre son truc, c'est énorme. On peut lui reparler? Non. Et le point d'exclamation a disparu. C'est énorme. Ouais, et il est monté en haut, le point. Ok. Il est plus haut. Oh. Plus magique. Oh, ça ouvre une porte vers une autre zone. Oh my god. Bon, on y va.
Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Même si le boss de fin est chiant, le jeu reste incroyable. Ah, mais sur l'autre aussi, le boss de fin était chiant. Ouais, le boss de fin, on a mis je sais pas combien de try pour l'avoir. Ben, on a fait de l'aventure pour monter, justement. Oui, oui, bah oui, on fait la même. Ok, ça mène ici. Et là, c'était chez le roi. Bon, on va fouiller, on va voir. Ok, ça amène à un autre portail encore. Ah, c'est celui où toi tu rames. Ça va être fermé. Ouais. Faut passer par l'autre côté. Il y avait un coffre. Oui. Non, là, on essaie ceux du conseil. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a quelque chose qui les intéresse, tiens? Salutations, pétitionnaire. Si c'est là ce que vous êtes, montez sur l'estrade. Un étranger. Cela promet une colossale perte de temps. Cet être vit dans notre royaume, que je sache. Pour ma part, j'ai au moins la curiosité de l'écouter. Non, mais on va refaire le texte qu'on a vu la dernière fois. À mon avis, il faut le refaire, mais dans le mode campagne. Allez les voir. On a sûrement peut-être des objets, on a peut-être fait des trucs. Vu qu'on a battu l'empereur corrompu, peut-être qu'on allait en les revoir. Ah. Mais ça s'ouvre pas, ça. C'est pas une vraie porte. Un monstre volant. Un monstre volant, des monstres décédés. Merde, j'ai pas la bonne arme. Un monstre volant, un monstre décédé au sol. Continue à tirer. Ah, on se prend une vague. Et lui, il m'a ignoré, il est venu vers moi, alors qu'il est passé à côté de toi. Ouais, tu ne survivras pas. Aïe. Ah. Rien prendre d'autre. Oh, c'était ici qu'il y avait l'autre qui nous avait chargé, qui nous avait donné un item. Oui. Attendez, on pète tout dans votre palais, il n'y aura plus rien. Ça donne pas de thunes. Ah si. J'ai envoyé le chien s'amuser.
Et on part là. Bah, choper une fontaine. Là ou l'autre. Oh, attends. Yeah. Non, parce qu'il y a une fontaine là, mais j'ai l'impression qu'il y a du décor et une autre fontaine là-bas. Par là. Oui, il y a une autre fontaine en face. Oui. Et là, il y a un copain avec qui jouer. En gros. Oh, il y a du violet aussi là-bas. Alors il apparaît. Ah, de la thune. T'as donné de la thune à la place? Ouais. Et tu l'as pris? Ouais, ça veut dire qu'on l'a déjà, ok. T'as donné beaucoup ou 250. Ok, ça va. Bah c'était ce que ça donnait dans le 1 quand on avait déjà un item. Là ça fait juste le tour. Ouais, ça fait le tour avec du fer galvanisé quand même sur un truc. Ça c'est intéressant par contre. Là, il y en a du mob au mètre carré. Tu veux pas faire? Ouais, bon, ouais. N'importe ça. Pris part dans un sens, un pris part dans l'autre. Au secours. Non. Et voilà. Rien du tout. Oh, on en récupère plein de faire galvaniser. C'est cool. Ah bah je suis passé médecin 7 là. Ah bah je vais pas tarder à les level up alors. Ah bah je viens de passer médecin 10. Sélection naturelle est disponible pour tout le monde, pour tous les trucs. Attention derrière toi. Attention. Ah, il s'est... Il t'a fait... Regarde, tu la vois, ma hache? Non. Aïe. J'en ai déjà plein. J'en ai déjà plein. J'ai cru que c'était un coffre. Non, mais il y a du bleu. On prend. Il y a du fer galvanisé aussi. Ben, prends. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme trait? C'est quoi, voyageur? Vitesse de déplacement normale. C'est pas mal, oui. Ça, quand même. Ah non, mais c'est pour les sauts d'obstacles, d'accord. Non, 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 non.
c'est vitesse de déplacement normale et saut d'obstacle, machin et tout. Non, mais je vais prendre réanimateur. Pour rester plus vite. Celui-là, je vais le monter à fond. Hein. Je suis pas allé voir là, c'est tout rouge. Pas que ça me fasse deux, voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour. Oh, oh. Deux fers galvanisés. C'est cool. Ah, tu voulais faire le muse avec les bouquins. Oh, ton copain qui te fait laguer. On va aller ouvrir la porte avant. Et ben, la mise à jour du driver et le fait que j'avais réglé au même moment un peu les graphismes, j'ai pas lagué. D'accord, c'est cool. Ben, j'ai pas ramé. Oui. Du lag, j'en ai pas. Igloo, c'est chaud. Bon là, j'ai fermé le tribunal du conseil. Ouais, j'ai pas besoin de prendre, j'ai pas utilisé deux hop là. Oh, engraissé direct comme ça. Tu veux raid? Sinon. Non, attends. Voilà, hop. T'es raid. T'es soigné. Hop, et je vais remettre le source d'effroi parce que vu que je génère beaucoup de santé grise. Ah, tu veux dire, c'est l'anneau qui régène, c'est ça? Ouais, l'anneau qui régène la santé grise. Après, ça monte pas super vite. Hein. Bah, ça monte quand même de 2 par seconde. Donc, c'est pas là dans la version alternative qu'on avait chopé le roi, l'empereur? Ah oui, il est tombé dessus lui. Pas le bête. Ah non, on arrive au. Wow. Ça s'appelle un élite. Ah, j'ai été Ouais, mais moi aussi et je pense qu'ils vont pas me laisser me soigner. C'est bon. Mon chien peut 13 ou Bah en fait pour le moment il est en train de brûler donc il a un peu de mal, il arrive. Parce que là je vais pas arriver à 13 avec tous les mobs en même temps. Ils me tirent tous dessus. Putain la salle, ils sont allés un peu vénères là sur les mobs. Je crois que c'était ce qu'on avait dit aussi la dernière fois. Non, la dernière fois il n'y en avait pas autant. L'esquive qui est pas parti, j'adore. T'as combien de RPV toi? J'ai plus de munitions rouges. Ça y est. You. On a mouru. On peut ouvrir la porte. Bah non. À mon avis, il faut faire quelque chose, mais on n'a pas. Le masque, on l'avait pas eu la dernière fois. Non, puisqu'en fait, on n'était pas, on l'avait pas popé dans cette salle-là au départ. Oui, mais on l'avait fait le masque et tout. Enfin. Non, le masque au sol, non, ça, on l'avait pas eu. D'accord. Il faudrait qu'on aille le. Bon, ici, on peut pas aller plus loin, je pense. Il faut trouver un objet qui nous permet d'ouvrir les portes. Ou peut-être les ouvrir dans l'autre monde, pour après revenir ici. Ce serait pas déconnant.
Bah, déjà, un truc qu'on peut faire, c'est revenir. Se régène. Poser... Non, mais se régène, revenir au début et poser le masque. Hein. Oui. Ben, retourner au service 13 et poser le masque. Ça ira plus vite. Vous avez gagné assez d'expérience pour sélectionner un archétype secondaire. Oui, c'est pété gentil. À tout le monde sur la plage archétype du personnage. Eh bien, on l'a déjà fait. Oui. Et là, on go directement à l'entrée du truc. Mais c'était la cour du palais. Non, c'était pas. C'était la cour ou la chambre? On a vu. Non, ils nous disent la cour du palais, point d'exclamation, donc. Ça doit être là-bas. Je pense qu'à mon avis, on va mettre beaucoup de temps pour le terminer là. Mais je veux partir. Donc, t'as mis le masque dans le. Ouais, bah, c'est pas le bon. Parce qu'en fait, ça va ouvrir une porte qui va nous amener dans un autre monde. Voir la map. Nous dit d'aller où? Ah, ben, un autre portail. On est passé à côté à un moment. Bon, ben, go. Il faut passer par où? Par là? Ouais, y'a pas le choix. Attends, on n'a pas ouvert le raccourci, donc oui, on n'a pas le choix. Je pense que le raccourci, c'est la zone qu'on va faire, va nous ramener ici. Avec le bon masque, à mon avis. Mais c'est bizarre, deux masques différents. C'est étrange. Lui, on s'en fout. Et après, la porte, il n'y a pas le choix de monter. J'ai les points de vie qui remontent tout seul, ouais. Donc c'est le chien, c'est une régène. Mais comme en plus on en a deux, je suppose que ça. Donc ça doit monter un petit peu plus vite. La porte elle est en face. Ah bah avec la plume. Ah bah oui. D'accord, ça ouvrait deux endroits la plume en fait. Waouh. Il y a encore une porte qu'on n'a pas faite aussi. Oh, bah ça nous amène, ok. On va mettre combien d'heures pour le finir cette zone? Qu'est-ce qu'on fait à Fairbourg? Ben, sûrement quelque chose. Non, je m'approche. Tiens, approche-toi d'une grille. Je vois la gueule que tu fais. Mettez-leur la visée!
je rigole un peu. Qu'est-ce que fait ça? Oh, la sécheresse. Aïe, j'ai mal. C'est un boss. Un boss alternatif, ouais. Ouais, mais elle donne un truc a priori qui est génial. Hein. La cube. La cubette. Oh, elle s'est barrée. Donc elle va revenir nous agresser régulièrement, c'est ça? Attends, il y a un... Non, attends, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc rouge là-haut, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a un truc rouge là-haut? C'est des mules? Lol. D'accord, tu pars à un autre endroit. Vague. Vers toi la vague ou... Non, m'approche pas de la vague. Alors j'en ai un de des goûts en bas. Attends, ouais, on va voir. Ah on merde. Des litres d'abord. La chasseuse, le retour. Oh, en bas. Tiens, prends ça dans les cornes. Bim. Aïe, putain, je me fais attaquer par un... Ok, elle s'est rebarrée. Alors. Est-ce que je me fais manger? Attends. Ah mais c'est con. Non, me fais pas maintenant, faudrait tuer la chasseresse avant. Ok. Parce que sinon, autant on va le perdre, je vais être obligé d'aller 13 et on va la perdre. Il y a quoi par là? Là il y a ça. Là, il y a ça. Ah, et l'aurore boréale. Tu vois, je suis sur l'échelle en même temps que toi, parce qu'elle était suffisamment longue. Oui. Juste chercher du fer galvanisé. On veut bien. Pour l'instant, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait par là-bas. En haut de cette échelle. YOLO. Il faut aller où maintenant? Par là-bas, à mon avis. Où elle s'est enfuie. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait la zone rouge qui était là-bas. Et je pense qu'elle va apparaître juste après si on se tape un edit ou dans certaines zones. Il y a là-bas et il y a là-bas, on va où? Bah allez, hop, peut-être, tu vas aller vers là. Allez. C'est une grande zone. C'est un truc! C'est la dernière!
il se tire dessus. Ce que j'ai pris là, c'était quoi cette attaque? D'accord, aïe. Ah, ils attaquent le... l'élite. Et là, elle devra arriver, non? Oh non! On va pas le prendre celui-là. Je vais faire galvaniser. Mmh. On le prendra plus tard. Parce que regarde où il est. On le prendra plus tard. Ça se reste d'abord. Et laisse se montrer. C'est l'heure la misère. Voilà, c'est les cul-de-sac. Regarde ce qu'il y a là. Oui. Pourtant, il y a un truc jaune juste à côté, là. Genre un coffre. Qu'est-ce que c'est? Oh! La poussière. Ouais, poussière de relique. Bon, elle vient, l'autre, là. On lui pète la gueule. Oh, le coffre, bonjour. Bonjour le coffre. Aïe. Oh, t'as rien pris toi? Parce que j'ai sauté. D'accord. Hop là. Non, je le prends pas celui-là. Ah, attention, monsieur de tronçonneuse. Ah ouais, monsieur suit. T'as vu, c'est chiant qu'on peut pas recharger, hein. On arrive, Georgette. Tout le monde va bien. Elle veut pas venir, Georgette. Je peux pas en transporter plus. Mais donnez-nous Georgette. C'est pas possible. La chasseresse qui veut plus nous chasser. Ah, c'est mal ça. Je vais te mettre une balle dans la tête. Est-ce qu'elle ne vient pas que dans notre zone? Bon, on va pas prendre le portail ici. On sait qu'il est là. On n'a pas fait. De toute façon, il y en a plein qu'on n'a pas fait. Je pense qu'on le fera en plusieurs fois, hein, le truc. Hein, on pourra pas. On ne fera pas ce soir entier.
Ah non, ça remonte bien. De quoi? Ouais, bah, là en fait j'ai eu de la santé grise par rapport au coup que j'ai pris. Ouais. Et elle est remontée très vite. Hein. D'accord, ouais, ben, je vais le remettre alors. Le machin qui a 20% de chance de. Oh, on arrive à l'école. De transformer en... Pas à l'école, à l'asile. Elle était là! Quoi? Pourquoi elle a tous ses PV? C'est quoi ce bordel? On peut se la faire deux fois en fait? Tu es du soin, mais vers moi. Non, je fais le tour pour éviter de prendre trop de. Oh, attention, elle s'est enflammée. Qu'elle nous sorte un truc de fou. Yes. Tête de lance vénérée. On ne dit pas qu'il faut les autres morceaux après. Bah non. C'est comme les autres stuff, le restant de l'arme sera reconstitué autour. Et là, il y a encore une zone un peu qui... Ah non, là, c'est un point de passage. Ah, il y a un truc jaune, là, qui traîne. Il y a un coffre ici aussi. Oh, santé... taux de santé grise. J'ai eu un truc. Fissuré plus 4. On va se faire le truc que tu... qu'on voit. De toute façon, on finit de visiter. Et... Non, celle-là, non. Non mais il nous tire dessus. Lui. Aïe. Oh oh, derrière. À mon avis, il doit se battre ouais. Avec un élite. Non, lui, il était débile, l'élite. Encore des gens? Pouche le chien. Oh, ça c'est... Ah, je viens de passer mettre chien 7. Ah. Attends, élite oh ouais. Avant.
Il y a Elite qui se tape des... C'est quoi ce TP là? Alors, il y avait une grille par là. Je crois que c'est pas la bonne. Ah si, vas-y. Approche-toi de la grille. Je vais là-bas. Well, ça les autres choses. La grille. Si, oh, tu t'as loupé. Tu l'as esquivé. Sérieux ? Oui. Qui l'a esquivé, l'enfoiré ? Il était de quelle couleur ? Gris. Hop là ! On fait voir, moi si je vais, tu paries que je vais me faire tuer ? Si j'y reste. Non, il le fait qu'une fois. Et soit il chope, soit sinon après il le fait plus, je pense. Ok, mais là on continue. On va essayer de terminer au moins cette zone. Au pire, on continuera la semaine prochaine, lundi. Laissez mon chien tranquille. Ça va, la vue est belle de là-haut? Ouais, ouais, bah écoute, j'ai récupéré du fer galvanisé, donc on va pas se plaindre. Hein. Oh, je l'ai juste au bord. Ah, wagonette. Ou Elite. Elle est quand même grande, hein, la zone, celle-là. Ouh. Franchement. Non, c'est un changement de zone, ça. Ah, changement de zone, ça. Ah bah, tu te souviens pas ? Oh, en plus, ça nous dit d'aller là, donc... écoute, on va suivre ce qu'il nous dit, puis après, on verra sur les zones alternatives. Mais tu sais, c'est celle... ça ressemble à la zone, tu sais, avec le truc qu'il fallait échanger, là. Oh, tu veux dire avec l'esprit qui te faisait du mams, voilà, dans les oreilles. Cette fois-ci, je te le laisserai. Bah, s'il me choisit, parce que la dernière fois, c'est... C'est parce que j'ai avancé et qu'il est allé vers moi. Grand aigu, est-ce que c'est ça ? Allez, on se fait cette zone, puis on voit après. Ils ont l'air d'avoir changé le fonctionnement un petit peu de leur truc, là. Ah, c'est les poules patines qui tombent du plafond. Oui. Oh,
De quoi? Les voilà. Décapité. Non. Fatality. A vivement Mortal Kombat 1. Là, je l'attends. C'est un des rares jeux avec le Tekken que je prends en day one en général pour les jeux de baston. N'oublie pas que y a des trucs de zone cachée ici. Oui. C'est quoi qui fait ce bruit là? Les petits rats qu'il y a au sol. Ah, ils font plus le bruit. Oh, est-ce que je vais me faire bouffer? Putain! Non, t'es sérieux? Je suis à peine arrivé, je me suis dit, tu sais, j'arrive et je fais une esquive en arrière, j'ai pas eu le temps. Y'a que moi que ça arrive, y'a que moi qui est droit. Je suis en face, dans les égouts morts. Ah ouais, non mais je te vois. Pourquoi ça arrive qu'à moi? C'est dégueulasse. Toi ça a pas marché et moi je me suis fait avoir. Bon ben, ce mob 2, Rayek 0. Oui. Non, un partout, enfin 2-1, parce qu'on l'a buté oui, quand même. 1, on l'a buté quand il était hors de fond. Voilà, parce que quand on le bute, il vient plus. Il le fait plus, ça, donc... Chut. Non mais sérieux, quoi, il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Ah, j'y crois pas. Oh, attends. Non, non, ça marche une fois. Tu vois, je m'approche, tu verras, ça marchera pas. Et moi, le pire, c'est qu'il m'a attrapé instant, hein, j'ai rien pu faire. Pendant que l'arme est en train de chauffer, tu peux pas les déglinguer, tu peux rien faire. Ouais, tu peux rien faire. Ça, c'est chiant. De laisser l'arme. Tu peux même pas te switcher d'arme. Bruh. Et hop, lui faire galvaniser. On a vu, on va peut-être pouvoir prendre un ou deux niveaux aux armes là. Attends. Merci, tu veux me tuer. Maintenant, on peut passer. Attends, c'est qui hurle comme ça? Dans les cages, là-haut. Là. Et là. Et là. D'accord. Oh, on peut le tuer. Salaud. Bah j'abrège la souffrance hein. Elle est différente la zone de la dernière fois. On n'avait pas eu ça. Hein. Bah, je crois qu'on était pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Les grands égouts. De quoi? Bah les, tu sais, l'espèce d'ange avec les... Hein les sous. Ah bah en fait on est toujours sur le même monde donc... Oui. Oh, il y a un violet là-haut. Ouais, on l'a peut-être déjà. Et après, comment il est chopé? Oh, regarde. Le violet. Oh! Alors
ça c'était le piège, la curiosité est un vilain défaut. Ouais, mais à mon avis, on doit pouvoir le récupérer, l'objet. Ah, quoi qu'il est plus là, on le voit plus. Ah, c'est un truc rouge, il est au-dessus. Oh, c'est un truc rouge qui est au-dessus, là. Comment faire pour y monter? Bon, bah, sûrement, il doit avoir sûrement un truc. On peut continuer par là, donc à mon avis... Ah ! Loupé ! Non, tu veux pas. D'accord, ok. Ça marche pas. J'ai essayé, mais tu peux pas. Tu peux pas y arriver. Je pense que c'est fait exprès. Ah, mais attends, il y a une échelle à côté. Ouais. Et ça va de l'autre côté en passant par la gauche. Ouais. Oh, il y a un violet là. On n'avait pas. Chargeur de réserve. Oh, vu le nom. Main coupée. Bon appétit. Oh, il y a un coffre là. Et on n'a pas fini, si on a tout fouillé par là. Si on a tout fouillé, moi je descends. Et faire galvaniser. Donc on a chopé une main coupée. Ouais, on aurait pu remonter en fait. Okay. Donc là on a tout fait par ici. Tempête. Ouais, ça nous ramène ici. Ok. Alors la main va servir à quoi? Oh, c'est dingue tout ce qu'il y a. Ben, une zone qu'on n'a pas fini là en face. Hein. De quoi? Oui, je sais. Je sais, il faut attirer le loup-garou avec la main en lui faisant coucou. Ah. T'es dit? On va voir aussi la chevaleresse ici. Sur la gauche. Oh non, mais c'est mort, ça l'a fait une fois, donc c'est fini. Non, on va pas tenter le diable.
Ouh, attends, là, ça peut bien péter ici. Est-ce qu'il y a un casque ? Oui, la dernière fois, on avait eu un élite. Oh, un égout, je peux mourir. Oh, il y a du bleu. Blues. J'ai 3 points dépensés. Peut-être les... Attention, il y a un mec qui arrive sur toi. Oh, élite. Ah, je fais perdre son chapeau. Non. Oh, boss. Bah écoute, on va se reposer pour tout recharger. Et on se tape le boss. Non, c'est avec lequel ça? On l'a pas fait celui-là. Bah ça va être un nouveau, découvert. Oh. Oh, le truc qui vient de passer. À mon avis, il faut protéger ça. Non. Ah oh bah c'est un Yamete en géant. On peut passer de l'autre côté. Non, il est bloqué par là. Ouais, le pire c'est qu'il y a une suite après. Il a l'air d'avoir du point de vie, monsieur. C'est vrai qu'on pourrait esquiver ces... avec le bouclier. Non, pas le rayon. Deux boules maintenant? Sérieux? Aïe. Oh, c'est tombé mais on meurt pas. Oh,
Je sais pas comment remonter. Ok, trouvé. Reste par là. Ici les chèvres. Oh, il y a des trucs en dessous en fait. Saute. Mais non, j'ai rien pris là. Même pas mal. Même pas mal. Ah, tombé. Les chiens qui sont en train de dégommer des... Hop, il y a plein de munitions en bas, c'était cool. Et cette arme, elle est géniale quand... Quand t'as des machins qui balancent des projectiles comme ça. Et où je te vois pas. Oula. Je suis en bas en fait. Non, c'était pour te soigner. Bouge pas, je te vois. Oh, t'as un petit soin gratuit. Ils sont costauds les merdes en bas. Ah. Non, elles vont pas très très mal non plus. Mais... Ok. Ouch. J'ai pas assez de place. Il est long à tuer. En fait, son point faible, c'est quand il est en double simple. Quand t'as le bouclier, ça va. Ah non, merde, non. Vas-y, refroidis-vous. Putain, j'ai pas pu l'envoyer. Ça rentrera jamais.
glace moelle osseuse. Oh, deux points de trait. Il calme. Il y avait une sortie par là. Pour la suite. Toujours vérifier ici. Non, il n'y a pas de passage. Comme ça, on a récupéré pas mal de trucs. Allez, go. Bon, bah, un nouveau boss qu'on connaissait pas. Bah, ouais, non, mais c'est cool. Bah, de toute façon, c'est fait exprès. Hein. Et puis, on va arrêter là. 2h48 l'épisode. On continuera lundi le mode aventure. On va déjà retourner au service 13. On va booster les armes. Parce que là, je pense qu'avec tout ce que le fer galvanisé qu'on a récupéré, on va peut-être faire prendre un ou deux niveaux. Alors, ça nous dit qu'il faut aller où là? Là, on est dans le palais maléfique. Niveau difficulté 15. Fais voir, il faut qu'on aille où? Ah, ben, c'est dans le palais maléfique. Donc c'est bien. Et après on a trois autres. Ouais, elles sont longues hein, les trucs du mode aventure hein, en fait. C'est pas le truc qui se fait en deux secondes. Aussi long que la campagne. Presque ouais. Alors je vais dire bonsoir à tous. Enfin bonne soirée. Pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, le moment cloche, pouce bleu, commentaire, partage, tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Lundi, on montrera les armes, etc. qu'on aura craftées. Allez, ciao ciao.